Bonjour Q. Désolé pour votre membre. Ah. Accident de ski? De chasse. Bien, maintenant, concentrez-vous, 007. Primo, votre nouvelle voiture. BMW du coup de rein, boîte à 5 vitesses, radar omnidirectionnel. Un système pour s'autodétruire. Et cela va de soi, tous les raffinements habituels. Entre autres, ceci que je suis particulièrement fier d'exhiber. Masqué derrière les phares, des missiles Stinger. Excellent. Tout à fait ce qu'il faut pour se détendre après une rude journée de bureau. Est-il nécessaire que je vous rappelle, 007, que vous avez l'autorisation de tuer, et non de prendre l'autoroute en sens inverse? Je ne m'y risquerai pas. Encore heureux. Bon, poursuivons sur un terrain plus pratique. Une simple ceinture très banale. Pour homme du 46. La boucle l'encoche. Est-ce fini ou non? Oui, oui. Bon, une simple ceinture de cuir banale. Je connais parfaitement cette invention. Non, pas le modèle avec 25 mètres de corde de rappel bien dissimulée dans la boucle. Feu. Et ça vous tire un piton, suivi d'un fil à haute résistance, tout à fait apte à supporter votre poids. Ah oui. Et si j'ai besoin d'un soutien supplémentaire? C'est calculé pour une personne, 007. Vol 878 pour Saint-Pétersbourg. Scanner à rayon X pour les documents. Stylo plume, c'est une grenade catégorie 4. 3 clics, vous amorcez 4 secondes de mèche. Encore 3 clics, vous désamorcez. Quelle longueur a cette fameuse mèche? Oh, devenez un peu adulte, 007. Dans le temps, la plume bien taillée, c'était mieux que la pointe sèche. Grâce à moi, c'est toujours vrai. Écoutez, demandons à Freddy de nous faire une petite démonstration. Nous y voilà. Je demande pardon, Fred. 1, 2, 3. Oh. Ne le dites pas. C'est la fin du monde. C'est surtout la fin pour lui. Alors, 007, je vous en prie, rapportez-nous un peu de cet équipement et... Je vous en prie, rapportez-nous un peu de cet équipement et en parfait état. Ne touchez pas ça! C'est mon déjeuner! Vous voulez bien signer ici, monsieur Bond? Ce sont les assurances que vous prendrez pour couvrir votre magnifique nouvelle voiture. Vous faut-il une assurance collision? Oui. Un incendie? Probablement. Pour dommages causés à tiers? Oui, tout à fait. Préjudice corporel? Que Dieu m'en garde. Mais un accident, ça peut arriver. À vous plus souvent qu'à votre tour. Bon. Cela concerne l'usure normale du véhicule. Aurais-je besoin d'autres protections? Seulement contre moi, 007, si vous ne me ramenez pas cette voiture en parfait état. On y va? On y va. Votre nouvelle BMW 750, équipée des subtilités habituelles. Mitrailleuse, fusée, GPS, le fameux système. Bienvenue, veuillez attacher votre ceinture et obéir aux consignes pour votre sécurité. Je vous sais plus attentif à une voix féminine. Cette voix m'est familière. Je reste de glace devant les détails sordides de vos frasques. Continuons, voulez-vous? Votre nouveau téléphone. Parlez ici, écoutez là. C'est donc ça qui m'échappait depuis si longtemps. Ah, regardez, nous y avons inclus aussi un scanner pour empreintes digitales et un système de sécurité qui utilise 20 000 volts. Et ceci, je suis particulièrement fier de cette trouvaille. C'est la commande à distance de votre voiture. Tapez 2 fois. 1, 2. Et là, effleurez de votre doigt très doucement la surface du pad pour conduire le véhicule. Étonnamment, c'est très difficile à manœuvrer, mais avec un peu plus de temps... Voyons si elle répond bien à mon doigté, cher Q. Je crois qu'on est fait l'un pour l'autre. Grandissez un peu, 007. faut bien qu'un jour on paie ces petits écarts de conduite, n'est-ce pas, Q? 007, zéro de conduite. J'ai fait un écart de langage? Non, mais vous avez détruit mon bateau de pêche pour la retraite que je vais prendre aux antipodes de vous. Maintenant, je voudrais vous présenter une jeune recrue que je prépare à me remplacer. C'est mieux si on ouvre la porte. À qui ai-je l'honneur, monsieur? Voici 007. S'il succède à Q, il doit s'appeler R. Oh, oui, le légendaire esprit 007. Qui est resté très simple d'esprit. Bien, là, j'ose dire 007 que vous aurez affaire à forte partie avec cette machine. Oui, nouveau modèle, des perfs améliorés. Je croyais que vous vous étiez fait porter pâle une blessure quelconque. Oui, mais nous verrons cela plus tard. Donc, je vous disais que c'est là le dernier cri dans le domaine de l'anti-interception. Titanium en blindage, avec présentoir multifonction amovible et 6 porte-gobelets. Dans l'ensemble, plutôt approvisionné. Bourré jusqu'aux yeux, je crois que ce sont les termes. Je pense que... Vous n'êtes pas là pour penser. Vous êtes là pour faire ce que moi je vous dis de faire. Alors allez mettre ce blouson et commencez la démonstration pour 007. Bien entendu. Maintenant, je vous prie, veuillez observer attentivement. Le bras droit va dans la manche droite, comme ça. Et le bras gauche va dans la manche gauche, comme ça. Ensuite, notez bien, je vous prie, poche, bouton, pression, fermeture éclair. Et saisissez le bas de la fermeture éclair et insérez-le dans la... Oh, baissez la languette. Il semble bien taillé pour cet emploi. Votre retraite n'est pas imminente. N'est-ce pas? Un peu d'attention, 007. J'ai toujours essayé de vous enseigner deux choses. La première, ne jamais laisser voir qu'on est blessé. Et la seconde? Toujours avoir un plan d'évasion. Regardez, qu'est-ce que c'est? La carte. Donc il n'est pas loin. Mais où? Ça détecte la chaleur corporelle. Les humains apparaissent en orange. Là. Je le croyais en compagnie du docteur Jones. Ça vire au cramoisi. « 007 » Pour moi, c'est une manifestation précoce du bug de l'an 2000. Je suis désolé d'avoir à vous le dire, 007, mais en principe, un bon tireur d'élite n'est pas censé tuer son patron. Repassez-vous la bande. Vous verrez que j'ai tué l'agresseur et qu'elle n'est que légèrement blessée. Ah! Vous vous trouvez toujours des excuses, hein, 000 ? Amenez-moi sur un bon vieux stand de tir, je ne crains personne. Oui, mais les temps ont changé, il faudra vous y habituer. Alors, c'est ici que sont entreposées les vieilles reliques. Sachez que tout ce qui sort d'ici est le fruit de la technologie la plus avancée. Je vois ça. Vous êtes vraiment obligé de toucher à tout. Ça marche encore, ce truc ? Bon, écoutez. Alors, cette merveille technologique, elle arrive? J'allais y venir quand j'ai été interrompu. Une arme, je vous prie? Une vitre à l'épreuve des balles, une main et son annulaire équipés d'une alliance. Vous tournez, et voilà. Votre tout nouveau générateur d'ondes soniques digitales à très haute fréquence. Vous êtes plus intelligent que vous n'en avez l'air. Ça vaut bien mieux que d'avoir l'air plus intelligent qu'on ne l'est. Suivez-moi, je vous prie. Ah, votre nouvelle montre, la 20e, si je ne m'abuse. C'est fou ce que le temps passe. Et si vous tenez absolument à accomplir un exploit, vous essaierez de la ramener, celle-là. Votre nouveau véhicule. Vous devriez sortir prendre l'air de temps en temps. Le savoir-faire britannique dans toute sa splendeur. J'imagine que vous plaisantez. Comme je l'ai appris de mon prédécesseur Bond, je ne plaisante jamais à propos de mon travail. Aston Martin l'a conçu pour le plaisir des yeux, nous l'avons fait disparaître. Alors là, bravo. Camouflage évolutif grâce à une batterie de micro-caméras qui projette les images qu'elles enregistrent sur un revêtement constitué de particules électroluminescentes polymérisées et la rendent quasiment invisible. Plus les options habituelles, siège éjectable, torpille, mitrailleuse à visée laser pour verrouiller une cible en mouvement. Tenez, étudiez donc le manuel, vous devriez n'en avoir que pour quelques heures. Je n'en ai eu que pour quelques secondes. C'est vous qu'il faudrait faire disparaître. M'en est fini. Oh, pardon. Je faisais juste un essai. Ah. C'est dur, n'est-ce pas? Oui. Très dur. Ouais.